Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Enfants Parfaits. Avec Paul qui a envie de pisser et Philippe qui a envie de manger. C'est vraiment la joie à 6h15 du mat. Tous les gosses y se réveillent. Ouais. Ok, ça commence bien dans le vif du sujet. Alors, entre deux épisodes, je me suis quand même... Ouais, tu peux... Une douche à mon coco. Ils font toujours des bains. Alors, je me suis posé la question de... Parce que je galère quand même à faire remonter leur qualité personnelle. Ça va quand même, hein, du moment que c'est dans le vert, je pense. Mais moi, j'aimerais qu'ils soient vraiment très haut dans le vert. Tous. C'est compliqué. Et je me suis demandé s'il valait pas mieux que je fasse un focus sur certains des enfants pour les améliorer au max que je peux. Genre, vraiment, je prends Charlotte. Ah non, Charlotte, ça va mieux. Mais que vraiment je focus sur celui-là pendant tout l'épisode. Oh, bah, elle joue, c'est très bien. T'as les manières, par contre, ma cocotte. Les manières, tu vas du coup mettre la table sophistiquée poids. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, les manières. Et tu vas... Les manières. J'ai pas de pétis. C'est gentil, c'est ça. Hein, c'est faire des compliments. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu vas l'enlacer tendrement. Ouais, elle met les manières. Oui, donc en fait, focus sur un des enfants. Je me pose la question. De toute façon, ils vont bientôt devenir ados, déjà. On est vendredi. Je pense que pour le lundi, ils iront au lycée. Ou pas, d'ailleurs. C'est mignon. Complimenté. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça va. Elle fait de la malice. Et c'est vrai que je me suis pas du tout penchée sur leur aspiration. Se faire un meilleur ami pour la vie. Donc, elle. Et elle... Lui aussi. Lui, c'est artiste. C'est turbulence. En fait, on en a quatre qui sont amis pour la vie. Mais Paul, si t'as besoin de pisser, tu y vas. T'as pas besoin de moi. Non, Paul, Philippe. Oh là là, je sais plus, moi. Donc, on en a quatre qui veulent être meilleurs amis pour la vie. Hein. Donc, c'est cool parce qu'on va le faire. Et alors, attendez. J'ai déjà perdu. Non, trois. Ah mince, j'en ai trois. Donc les filles, elles vont être meilleures amies. Ouais, c'est l'anniversaire déjà. Bah oui. C'est bientôt l'anniversaire. Oh, Aurélie fait... Ok. Je sais que ça va être les anniversaires, vous inquiétez pas. Toi, tu vas peut-être aller en cours, quand même. Et on va se faire des amis, parce que comme on a tous des A maintenant à l'école... Bon, je sais, à un moment donné, je finis plus mes phrases, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans mes yeux, donc en même temps, je parle, mais je réfléchis à autre chose, et du coup, je finis pas mes phrases, donc ça doit être très décousu. Bon, en tout cas, on va réveiller John, qui va manger ses boulettes, qui va prendre une douche méditative. Aurélie, tu peux aller en cours ? C'est parce que t'as une phase difficile de nourriture que tu vas pas à l'école, hein. Quand même. Oh là, la résolution de conflit, par contre. C'est pas bon. Et y a tellement de gamins que je sais pas sur lesquels me pencher. John, t'es enfin tranquille. Est-ce que tu bosses aujourd'hui? Travaille dans 2 heures. On a tout ce qu'il faut ou là où il faut. Donc en fait, on aura pas grand-chose à faire, il me semble. Et c'est plutôt positif. On va travailler à la maison. Peut-être qu'on ira voir notre fille. Donc, chez Lilith. Pour voir à quoi elle ressemble. Depuis une semaine, un élève vole les chips de Louise. Et aujourd'hui, il lui a aussi pris son brownie. Ah non, alors là, on touche pas aux chips. Et on touche pas au brownie. Ah, c'est comme ça. Il est temps pour Louise de se défendre. Selon le code des enfants,
Il n'y a que deux solutions possibles, l'humiliation publique ou la vengeance secrète. Si elle essaye de faire l'humiliation en public, ça peut se retourner contre elle. Alors que si c'est seulement privé, à mon avis, on va faire vengeance privée. Comme prévu, l'enfant méchant vole le brownie de Louise, mais aujourd'hui ce sera différent. Oui, aujourd'hui les choses seront différentes. Louise se demande joyeusement si l'agresseur n'a pas déjà perdu le laxatif. Mon, la vilaine, la croquine. Et elle a bien raison. Ah, mais John, il a du taf. Être malicieux avec 5 Sims différents, regarder les vidéos à la maison sur Sim TV pendant 2 heures. Oh, mais on n'aura pas le temps d'aller voir notre fille. What? Mais t'as fini ta douche, mon gars, là? Depuis une semaine, elle... Ben, on va refaire ça. Mais vraiment que devant elle voit la brute offrir le brownie à l'instituteur pour se faire bien voir. Ah ouais, mais ils peuvent pas savoir hein, que c'est elle. Oh putain. Big bisou. Demandez-lui de s'excuser. L'empathie diminue pour Aurélie. Ok. Bon, on va y arriver, hein. Il y a 15 000 gosses à la minute. J'étais à réseau social, elle va mettre à jour. On va web. Regarde des vidéos amusantes. Allez, John, c'est toi, c'est à ton tour de bosser rapidement. Alors, il regarde des vidéos amusantes sur YouTube, enfin sur Sim TV, pendant 2 heures, hein, ça risque d'être long quand même. Web, hop, tu vas refaire une deuxième fois, parce qu'à mon avis, ça fait pas 1 heure. Non. Après, on va faire un peu de réseau social, tu vas remettre à jour. Web, tu vas revoir des vidéos rigolotes. Réseau social, tu vas partager tes blagues, parce que comme t'es joueur, ça se fera un peu plus. Et on va accélérer un peu le temps. Il est déjà midi, on n'aura pas le temps d'aller voir la fille. Après, je sais, je suis pas obligée de faire ça dans la maison, hein, mais bon. À la maison, de maintenant, je veux dire. Mais bon, pour son taf, why not, quoi. Ce sera pour la prochaine fois, vendredi, on sera samedi. Et ben on ira tous ensemble chez Lilith. Voilà, ça va être le bon bordel, je pense, là-bas. À ton réseau social. Tu vas remettre ton statut à jour à juste après. Je crois qu'on a bien augmenté notre nombre d'abonnés. Alors, 125 abonnés et 1257 au total. Ça, c'est bien. Et tu n'as regardé que 1 heure de vidéo. On va continuer. Ah, mais c'est cool comme job, hein. Je dis ça. Un statut sur un réseau social mis à jour. Qui se l'intéresse? On dirait que cela intéresse 25 nouveaux abonnés. Bah oui, quand même. Ils ont quoi, eux? Bah, fais le minimum. Et fais le minimum. On va les détendre. Voilà, il a... Bah c'est cool. Tu veux être malicieux? Alors, on va être malicieux. Il nous faut des gens. Tu vas venir ici. Et on va être malicieux. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Qui es-tu, Laura Dumont? T'es pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. John. Dépêche-toi. Oui, alors le voisin qui hurle dans le couloir, c'est normal, on ne s'étonne pas. Enfin non, à la base c'est pas normal, mais bon, chez moi, ça devient la normalité. Elle ne veut pas te parler, John, elle s'enfuit. Mais elle a un problème, vas-y, mais... Non, mais c'est bon, tu vas pas lui courir après pendant 30 ans, quoi, c'est bon, c'est une connasse. On va, regarde, il y en a deux là. T'as Brant. Amical. T'en as plein là des mecs là. Peut-être qu'il va se tourner vers les mecs, hein, John, maintenant. Salut, c'est moi, Brant. Oui, je suis un mâle, un vrai. Ah mais elle est là, elle, maintenant? Non, mais elle me passe sous le nez. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Amour, what? Ouais, vas-y. Ouais. Oh là là. Calmez-vous, les enfants. Moi, je ne sais plus, hein. Il y a trop de choses.
Fantastique. Paul va pouvoir bien profiter de son week-end en sachant qu'il fait partie des meilleurs élèves de l'établissement de l'école. C'est cool. Faut que tu fasses de la malice. Malice, qu'est-ce que c'est que cette tâche? Et voilà. Là, tu te présentes, t'es rigolo. T'as 1200 abonnés sur Internet, hein, t'es une star. Connard. On dirait qu'il dit connard. Voilà, rien de plus agréable que commencer le week-end avec une moyenne de A. Ouais. Tout va bien pour les gosses. Hein. Tu lui as fait ton coup? Pas encore. Ouais, il a pas l'air. Ouais, il a pas l'air. Malice. Mentir sur la carrière. Toi, tu le connais celui-là, donc ça va être rapide. Un tour de. Truc de main vibrante, là, je sais pas quoi. Les enfants. Ben, ça va. Nicolas. Ça va aussi, tu vas rentrer après chez toi. Toujours ado, lui, hein. Oh my... Ah, mais il y a plein de gens, c'est super. Plus de choix, malice. Invite à une fausse soirée. Vas-y, on s'en fout. Et on va inviter elle. On va se présenter. Mais on s'en fout, barre-toi. Oh, comment il lui est rentré dedans. Allez. Non, mais on s'en fout. Vas-y, va, on s'en fout. Akira. Tu lui as fait le coup, elle? Non, pas encore. Et elle, tu vas lui faire... Malice... Lancer une rumeur grotesque. Voilà. Pendant que je vois que les enfants, ils font des conneries. Bon, alors c'est le week-end. C'est le week-end. On va acheter les ordures à la place des Sims parce que sinon, on est dans le caca. Je veux pas le dire, mais bon, quand même. C'est bien ce qu'ils font leur devoir. Hop. John, ton téléphone sonne. Félicitations, cette promotion de travail est totalement méritée. Ben ouais. Ben alors, tu lui as fait ton coup, là? Je sais même plus ce que j'ai demandé de faire. Malissa. Prétend être un génie criminel. Je crois que c'est bon, après. Non, c'est à elle. Oh, je sais plus, moi. Il y a... Effrayé. Je crois que je l'avais déjà fait sur lui. Hey, go! Va parler à la nana. Et moi, je vais voir comment s'en sortent les petites enfants. On va mettre sur pause et on va faire un petit tour de mise à jour. Louise, on est bien. On est bien, on est responsable, mais tout le reste est échoué. On est responsable et le reste, ça va pas. Lui, il est responsable. L'empathie, elle est bonne, son empathie. Hein. Et il a envie de jouer à ça. Tu vas venir débarrasser ça, cocotte. Je sais pas ce que tu fous. Ah, t'es en train de jouer. Et on va augmenter tes manières. Ah oui, il faut aussi, on va faire... C'est Aurélie et Philippe. Philippe, on va le faire avec son père, meilleur ami. Alors que Louise et Cécile, elles, on va les faire meilleures amies entre elles. Complimentées. Amicales. Il n'y a pas. Est-ce qu'elles sont pas encore super amies? Je ne sais pas. Comment s'est passée la journée? Parler de l'école. Discuter sans intérêt. Complimenter sincèrement. Discuter sur la nourriture. Aurélie, tu veux faire quoi dans ta vie? Contrôle des émotions, résolution de conflits et empathie.
toujours les mêmes trucs qui me posent problème. C'est fou. La résolution de conflit, mais voilà, enfin, à part dire pardon, contre les émotions, empathie, c'est un peu toujours. Voilà, tu vas faire ton kit médecin en vrac, en boucle, en boucle, en boucle. Hop, hop, et puis après, tu vas écrire dans ton journal intime, et te remémorer des souvenirs, même si ça fait que quelques jours que tu l'écris. Nicolas, résolution de conflit et empathie, il faut te faire remonter ça. Résolution de conflit et empathie, on est d'accord. Résolution de conflit et empathie. Tiens, tu vas faire connaissance de elle. Et elle aussi, tiens. Tu vas faire éliminer la journée. Ouais, c'est... Moi, je suis absolument pas... je suis toujours perdue dans cette série, j'avoue que... C'est hyper compliqué, quoi, de se rappeler tout. C'est chaud. Ok. John, est-ce que tu as réussi au niveau du boulot? Non. Va pisser. Va pisser, mon gars! Mais qu'est-ce que tu fais? Va pas jouer à la poupée, t'es bête ou quoi? Après, tu feras à manger. Tu vas servir le dîner. Ça, t'as un beau cas de poulet. Allez. Est-ce qu'avec Louise, tu peux devenir meilleurs amis ou pas encore? Discuter des centres d'intérêt. Oui, ça y est. Enfin, livre exceptionnel pour toujours, c'est pas la même chose que meilleurs amis, on est d'accord? Je ne sais pas. Paul. Non, Philippe, à chaque fois je les confonds tous les deux. Oui, c'est ça. Il va complimenter son père, il va l'illuminer sa journée. Amical. Devenir meilleurs amis. Alors, la récré solitaire. Mince. Influence. Voilà. Contrôle des émotions. Ok. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Contrôle des émotions. Diminue. Ouais. Mais ce sera mieux avec quand ils seront ados, parce que je pourrais les faire courir. Va faire pipi, s'il te plaît. Donc, ses amis sont les trois autres enfants. Ok. Il y a tellement de choses à faire. Ah, les deux autres, elles s'en vont. Mais en fait, elle émet d'une lumière bleue, Louise. Bleu-violette. J'ai jamais vu ça. C'est bizarre quand même, non? Franchement, je sais pas. Elle est bizarre, cette game. Trop bête! Est-ce que Charlotte elle est trop bête? Persévère, concentre-toi sur les autres matières, mais non. Voilà. Résolution de conflit. Oh non, mais elle est déjà compliquée à gérer, Charlotte! Pff, je vous jure, moi, il y a des trucs, c'est quand même compliqué. Hein. Prendre à dire pardon. Vous êtes meilleurs amis avec. C'est normal. Faut devenir meilleurs amis, les enfants, là. Papa et son fils. Partager un secret. C'est le bordel, hein. J'arrive pas à les gérer aujourd'hui, je le sens. Toi, tu vas être lavé, tu vas aller aux toilettes. Toi, tu vas manger. Ah ouais, t'es là, en plus. T'attends toujours de devenir meilleur ami avec ton père. Tout va bien. Toi, ok. Toi, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te faire faire? Les manières et les contrôles des émotions. Ah, contrôle des émotions, ça je sais. Voilà. Ça, c'est bien. Et ça. Voilà. On va te remonter.
Charlotte, la tog. Ouais. Ah bah voilà, ça y est. Aurélie va falloir songer à te la être lavée peut-être. Ouais, elle est malade maintenant. Oh là là, mais c'est... Moi je n'en peux plus. C'est trop compliqué cette... Je me suis lancée dans un truc. Après, on pourrait me dire que, bah voilà, tout le monde est en positif, donc c'est bien, mais moi j'ai vraiment envie qu'il soit vraiment en haut et... C'est hyper compliqué en fait. Y a pas à se leurrer quoi, c'est super compliqué. Tu vas, Charlotte, tu vas lui apprendre à dire pardon. Ça pourra peut-être la motiver. Allez, vas-y. Apprends-lui les bonnes choses. Ah ouais, ça remonte fou. D'accord, bah c'est parfait, ça lui fait vachement remonter sa raison de son conflit. C'est très bien. S'il lui reste encore du temps à John, il va lui apprendre à dire s'il vous plaît, merci. Par contre, il a toujours pas fini son truc. Ah, il est 22h, pourquoi ils disent qu'il doit travailler? Bah oui, dans la journée, on doit vraiment le faire en fait. D'accord, bah, on finira le lendemain parce que... Ah non, j'avais dit qu'il prendrait son jour. C'est pas grave, il va être malicieux avec un de ses enfants. Tiens, tu vas le faire à ta fille. Le truc horrible. Tu vas faire qu'est-ce que c'est que cette tâche? Voilà. Et en même temps, il a tout ça sous le, on va dire sous le nez, donc ce serait dommage de pas en profiter de d'améliorer son boulot grâce à tous ses enfants, quoi. Allez, il y en a qui sont partis se coucher. Ben non, tu vas manger et tu vas aux toilettes. Toi, tu vas aux toilettes. Mais dis donc, après tu vas te laver. Sociabilité avec deux adultes. Pouh. Toi, ok, t'es occupée. Elle est occupée aussi. Du coup, ça y est, il a fait son truc. Nickel. Toi, t'as faim, Aurélie. Tu vas... Ouais, donc c'est bon. Nicolas, il est bien. Nicolas, il mange. Résolution de conflit. Ah, parler des rêves. Discuter de ce que mangent les humains, même si elles mangent la même chose. Se vanter de ses notes. Décrire l'ami imaginaire. C'est déjà pas mal, mais ils vont bientôt... Ça va être fou, et puis on va pouvoir voir à quoi ils ressemblent et tout. S'ils sont mignons ou pas. Toi, tu vas être lavée, Cécile. C'est une notion de conflit. Ouais. Bah, du coup, tu vas améliorer ton empathie après. Et 23h. Et personne n'est vraiment couché. Et Charlotte. Charlotte, niveau manière, ça remonte, mais c'est pas encore tip-top, hein. T'as le père, il comprend pas, il se tue la tâche pour dire « Mais si, tu vas voir !» Après, tu vas aller manger, Charlotte. Tu vas jouer vite fait au docteur. Et après, tu pourras être couché. Voilà. Mon John, t'as bien bossé. Tu vas être... ton réseau social à jour. Tu vas aussi partager une photo, ce que tu ne l'as pas encore fait. Qui c'est qui prend un bain, là? C'est... Philippe. Je dis pas de bêtises, c'est Philippe. Lilith. Ouais, viens, viens, viens. On va te faire un autre enfant. Eh ben ouais. Là, on a 8 enfants. John, il a 8 enfants. Et il en a pas encore assez. Il veut une très 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 grande famille. Tira, réparer. Oh non, on remplace ça, j'ai pas le temps. On est à 1297 abonnés au total.
Là, il veut... Voilà, cadeau raté. J'ai eu un cadeau que je trouve nul. J'ai juste envie de l'échanger avec un ami. Ce cadeau pour toi fait preuve de gratitude. L'empathie diminue. Zut. Oh, l'empathie diminue de fou. Bah, tu vas jouer. Non, ça, il va être pris le docteur là. Tu vas aller jouer au docteur ici, ici et ici. Lilith, ne reste pas à la porte, ma belle. Appel. Et nous avons 20 nouveaux abonnés. Oh, Lilith, elle est défoncée. Tu vas éliminer sa journée. Elle a retrouvé sa ligne de jeune fille. Si elle est célibataire. On vient de lui faire un gosse, mais c'est pas grave. Invite à rester dormir, déjà, moi, c'est ça de fait. Partager des idées. Et tu vas lui faire un petit bisou. Hein. Ah, quoique. Vu qu'ils se sont assis sur le lit. Jeter des moudous. Et embrasse. Dormir ici? Génial! Ouais, ils sont mimi quand même. Hein. On va pas dire le contraire. C'est des coquins, hein, ils aiment bien ça quand même. Hein. Oh. Et les gosses ne sont toujours pas couchés. Il y en a encore deux qui sont debout. Eh ben quand même, hein, c'est pas mal tout ça. Tu vas chatouiller sans pitié. Et puis tu vas faire un petit bébé avec Lily Toon. Et tu vas en refaire un derrière. Parce que là, on peut en faire plein chez elle, il y a encore de la place. Chez nous, il n'y en a plus. Mais chez elle, on peut. Cécile, t'es encore avec ton bébé, après tu vas aller manger. Ouais, et après tu pourras aller au dodo. Et Philippe, lui, il est encore avec son bébé aussi. Pour l'empathie, on aura bien fait remonter, logiquement. Ouais, vite fait quand même. Hein. Vite fait, vite fait. Pendant que papa, il va s'envoyer en l'air. Et après, tu pourras aller aussi dormir, mon petit Philippe. Je vais y arriver. Philippe, ses cheveux courts. Paul, ses cheveux longs. Oh, Nicolas, il est facilement repérable avec ses beaux cheveux roux, sa belle peau. Magnifique. Et après, on pourra voir à quoi ils ressemblent, tout ça. Quand ils seront ados, ça va être sympa. Allez, les amoureux. En attendant, moi, je vais attendre que, voilà, ils aillent tous se coucher. Je vais mettre ça. Dans le frigo. John! John! Tu dois refaire un bébé pour être sûr d'avoir bien planté la graine. Tu en remets un autre dans le lit là. Un autre quoi? Je le dirai pas. Mais un autre. En ce temps là, moi je vais faire les assiettes. Et puis de toute façon, après on va se quitter. Il est un peu quasiment 3h du matin, Sims, bien sûr. Hop! Ça nous rajoute des sous, hein. On commence à être riche. Hein. Et effectivement, ils vont remettre ça pour le plaisir de tout le monde. Et promis, dans l'épisode prochain, on ira voir à quoi ressemble la petite Cécile Vatoré. Donc la fille de Lilith et de John. La dernière assiette. Oui! Et... je vais vous quitter sur ces ébats amoureux entre John et Lilith. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je l'ai trouvé encore plus décousu que les autres, j'avoue. Je suis partie à la base, je voulais faire un focus, mais finalement je l'ai pas fait. C'est parti en vrille, ça est passé à une vitesse dingue. Et puis dites-moi si ça vous plaît, ou peut-être qu'on fera un focus pour quand ils seront ados. Et comme ça, chaque épisode, ce sera focus sur un pour améliorer toute leur qualité personnelle au maximum. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des très gros bisous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine épisode des Enfants Parfaits ou d'un autre, et à très bientôt, allez salut. Et regardez, je crois qu'elle est enceinte. Youhou! Allez salut.